Et bonjour les gens, c'est HSK2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous filmer tout simplement ma réaction à la bande-annonce de Ant-Man and the Wasp ou Ant-Man 2. Je pensais pas du tout qu'elle allait sortir en ce moment, je savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir, mais bon. Parce que le film sort en juillet, donc voilà, je me suis dit qu'elle va sortir un peu plus tard. Mais non, donc voilà, donc on perd pas de temps, j'ai vraiment envie de voir cette bande-annonce, parce que je me retiens de la voir, donc disons que j'ai plutôt hâte, voilà. J'espère que je ne serai pas déçu, on va dire. J'ai une question à te poser. Quand le capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté. Je fais des bêtises. Oh. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est D'accord. toujours en fuite. Allons-nous-en. Ouh. Wow. Sérieux? Mais non. Ah, Giant Man. Oh, on l'a vu, le fantôme. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Coéquipier. Wow. Wow. Putain. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais... D'accord. Faut m'expliquer pourquoi est-ce que la guêpe se trimballe avec un bonbon peste dans la poche. Mais bon. Ok, bah. Bah ça a l'air d'être du même type que Ant-Man 1, je veux dire. C'est-à-dire que ça mélange action assez sérieuse, on va dire, avec bah, du coup de l'humour. On l'a vu, par exemple. Oh, si la guêpe était là, ou la Team Cap n'aurait pas été arrêtée. Puis par exemple, bah voilà, le bonbon pèse géant Hello Kitty. Du coup, on a vu, enfin, on a eu un très vite aperçu du fantôme. Donc le fantôme, voilà, c'est lui. Donc, enfin, voilà, c'est elle plutôt. C'est une actrice qui va jouer le fantôme cette fois. Alors là, ce qui me hype de ouf totalement, c'est la particule PIM qui est utilisée dans tout maintenant. Enfin, je veux dire, tu regardes, l'immeuble est fait de particules PIM. Étant donné que Hank Pym appuie sur un bouton et puis l'immeuble d'un coup enfin s'en sent pas mais rapetissit et puis en fait tu te rends compte qu'il a fait il a mis à disposition un petit truc comme une valise et c'est vraiment stylé et puis l'un des trucs les plus stylés c'est quand même la voiture. Putain c'est trop stylé ça. C'est génial les courses pour. C'est génial la course poursuite dans une mini voiture. Donc du coup Giant Man sera utilisé. Et puis du coup on a la guêpe. Voilà. Hein, parce que la scène post-générique de Ant-Man dévoilait que y allait avoir un prototype de la guêpe pour Hope-Pym. Et donc du coup bah, là on peut le voir en action. Et puis en plus Hope-Pym sait trop bien se battre. Donc ça a un effet totalement stylé. Avec le couteau où elle est comme ça. C'est juste trop stylé. Sinon, bon bah on a Scott qui est toujours drôle. Enfin, il y a toujours de l'humour. Puis la musique de la bande-annonce va super bien avec, ça fait vraiment musique d'action, mais pas musique d'action, genre on est sérieux et tout, genre pas comme dans Avengers Infinity War. Là on est vraiment action, mais un peu on est libre et puis ça, on fait des petites blagues droite à gauche, mais ça reste sérieux. Et donc voilà, donc on a eu du coup l'aspect du fantôme, on a du coup le retour de. Alors je sais plus du tout qui c'est, comment il s'appelle, ni le nom de l'acteur, mais le gars qui. Le gars marrant qui était venu le rejoindre à la sortie de la prison et qui lui avait dit oh je connais un mec qui connaît un mec qui connaît un mec. Ça c'est vraiment cool de le revoir. Bah du coup ça reprend un peu aussi le la bande annonce fait un peu comme Spider-Man Homecoming étant donné qu'on voit des petits passages de Captain America Civil War même si là ils sont en noir et blanc pour nous montrer que c'est bien des passages que c'est des flashbacks.
Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah, il y a aussi. Bon, après, c'est qu'un teaser. Étant... Donc, c'est un teaser dans le sens. Il nous montre juste des scènes stylées. Mais au final, on sait pas à quoi ça rime. C'est-à-dire que là, là je vois justement la scène où Hank Pym et Hopim se font braquer par le FBI. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, ils sont activement recherchés. Bon. Personnellement, j'ai ma petite idée, je pense que c'est surtout parce que ils savent qu'il a un lien avec Scott, et ils savent que Scott, c'est Giant Man, et ils savent que Giant Man, bah, il fait partie de la Team Cap. Voilà. Et la Team Cap, bah, techniquement, ils sont dans une prison de sécurité. Donc, d'après la fin de Captain America Civil War, et puis vu les faits, à mon avis, Captain America a dû les libérer. Donc voilà, et du coup, bah par exemple, voilà, là on a que des... C'est un teaser dans le sens, on ne voit pas à aucun moment, on ne voit par exemple le fantôme se battre. Par contre, on a un putain de... Quand il met la main comme ça, ça fait vraiment trop stylé. Ça montre, donc du coup, ça fait un peu vraiment fantôme du coup. Et puis du coup, j'ai trop hâte de le voir, je dis beaucoup de fois du coup dans la même phrase. Mais j'ai vraiment hâte de le voir oh, putain, en action. Le fantôme, c'est un de mes personnages préférés que j'ai découvert dans le dessin animé Iron Man Armored Adventure. Et je me suis attaché à ce personnage et franchement, je l'adore. Même si tout le temps, ses histoires sont différentes. Par exemple, dans les comics, c'est pas du tout ça. Mais vraiment, c'est... J'ai hâte de le voir en action. Il a l'air vraiment, vraiment stylé. Franchement, ce trailer est super. La musique, j'adore. J'adore la musique. Et bon, bon, du coup, j'ai hâte de voir les parce que, à mon avis, vu que c'est un teaser, ça révèle pas tout. Il doit y avoir beaucoup d'autres choses dont la particule Pym utilise, autre que la voiture, l'immeuble et tout. Mais franchement, stylé, vraiment stylé. Donc voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo réaction. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Sinon, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça me hype de ouf. Bon, pas plus qu'Avengers Infinity War, on va pas se mytho, mais cette bande-annonce me hype beaucoup. Vraiment stylé, j'ai hâte de voir le trailer pour savoir un peu... Parce que par exemple, Avengers Infinity War, on sait pourquoi Thanos vient, on sait beaucoup de choses. Mais là, on sait pas trop, par exemple, on sait pas comment le fantôme va devenir le fantôme. On sait pas l'intrigue et tout, ce qui va jouer, parce que pour l'instant, on voit que des braquages de FBI, de gars normaux, on va dire... de soldats, donc on sait pas trop en quoi le super méchant va être super méchant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner si vous m'aimez bien, si vous aimez bien cette tête, et surtout que vous ne la verrez pas souvent. Je vais faire beaucoup de vidéos réactions sur les trailers de bande annonce de Marvel, hein, que ce soit Deadpool qui du coup va être ma prochaine vidéo réaction, normalement, à moins que le deuxième trailer d'Avengers Infinity War ne fasse son apparition avant, mais sinon ça va être Deadpool 2, il me semble. Bon, on a déjà eu un aperçu, mais bon, vague, hein, de Deadpool 2. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, ciao ciao.